Cécile Duflot, Dominique Strauss-Kahn hier au Sénat, qui a un peu taclé le président Hollande. Ça vous a... Vous l'auriez invité, vous ? Je ne suis pas sûre, mais pas pour des raisons, j'allais dire, liées à son actualité judiciaire, mais parce que je suis quand même très gênée de voir l'ancien dirigeant du FMI, avec beaucoup d'assurance, donner des leçons, alors même qu'on a pu constater que le traitement qui avait été infligé à la Grèce avait produit des effets qui n'étaient pas du tout ceux qui avaient été annoncés et qui ont été dévastateurs pour une partie de la population. – Et lorsqu'il dit « à trop s'occuper de la finance, on ne s'occupe pas des financiers », vous prenez comment cette phrase ?– Bon, je pourrais avoir une formule désagréable, donc je vais me retenir. – Mais non, mais il faut dire ce qu'on pense. – Non, je pense… – Si vous êtes là pour dire ce que vous pensez… – Je pense qu'on doit être dans un monde qui doit être davantage régulé, qu'on a laissé glisser… – Et quelle était cette formule que vous aviez en tête ?– Non, je ne vous la dirai pas. – Vous aviez quelque chose en tête, je le sens là. – Oui, vous le sentez. – Oui, je le sens. – Je ne vous la dirai pas parce que je dis qu'il y a des gens qui sont plus ou moins en situation de donner des leçons. Je ne crois pas que Dominique Strauss-Kahn soit en situation de donner beaucoup de leçons pour des raisons qui sont les raisons de son mandat à la tête du FMI, de ce qui s'est passé sur la crise en Europe, de ce qui se passe encore aujourd'hui et de ce qu'il faudrait faire pour s'en sortir.